Travailler les gammes sur son instrument, eh bien, outre le fait de savoir enfin quoi jouer sur certains accords, ça va vous permettre également de développer votre oreille musicale, de travailler votre dextérité, c'est-à-dire la fluidité et l'indépendance de vos doigts, et puis de mieux connaître votre manche. Allez, c'est parti, 10 gammes qui sont très faciles puisqu'elles vont couvrir une seule octave. Je vous les ai classées en ordre de niveau, vous avez débutant, intermédiaire, avancez, donc choisissez celle que vous voulez travailler. Si vous êtes débutant, eh bien, je vous conseille de connaître au moins les 3 que je vais montrer qui correspondent à votre niveau. C'est parti. Beaucoup de guitaristes la connaissent sous cette forme-là, avec les cordes à vide. Je vous propose une forme alternative qui va commencer à la troisième case avec le doigt numéro 2, 3, sur la même corde 5, sur la corde de Ré, vous allez jouer la deuxième case avec le doigt numéro 1, le doigt du milieu sur la case numéro 3 et le petit doigt sur la cinquième case. Une corde dessous, La, deuxième case, Si, quatrième case avec le doigt numéro 3 et le petit doigt qui va jouer l'octave. Donc le petit doigt va jouer à chaque fois la cinquième case et vous allez vous repérer de cette manière-là. La gamme mineure mélodique, et en ce qui nous concerne, on va faire la gamme de Do mineur mélodique, on va faire super basique. Beaucoup de guitaristes ne la connaissent pas. Et ben, il n'y a pas à être gêné en fait, mais elle est quand même super simple si vous y réfléchissez. C'est votre gamme de Do majeur avec simplement un Mi bémol. Donc vous abaissez la tierce d'un demi-ton. On va jouer pratiquement la même chose, à cette différence qu'on va avoir la tierce mineure à la sixième case. Donc vous allez démarrer cette fois avec l'index. 3, 5, 6, avec le petit doigt. Vous allez descendre directement au Fa à la troisième case. Le Sol à la cinquième, vous allez choisir soit le doigt du milieu, soit le doigt numéro 3, l'annulaire. La septième case avec le petit doigt, donc va y avoir une petite extension. Quatrième case avec l'index, corde de Sol, et cinquième case avec le doigt du milieu. Vous pouvez bien entendu la travailler en aller-retour. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. La gamme mineure pentatonique, celle-là, elle est éternelle, elle est incontournable. Attention quand même parce que la majorité des guitaristes, ils apprennent juste cette gamme. Alors je vous invite à essayer d'aller un petit peu plus loin et apprendre d'autres gammes. On va démarrer à la cinquième case avec l'index et on va jouer à chaque fois 2 notes par corde. C'est ce qui la rend très accessible pour les débutants. 5, 8 avec le petit doigt, je vous le conseille. 5, 7 sur la corde du dessous, et vous pouvez faire un aller-retour bas haut. 5, 7. On va s'arrêter ici puisque je vous avais promis, c'est des gammes qu'on va jouer sur une seule octave. Donc la note haute, le La, elle est ici. Et la note basse, elle est ici. 5, 8, 5, 7, 5, 7. Et vous revenez. Et elle va aller très bien sur un La mineur, bien sûr. Ou ici. La gamme majeure pentatonique, eh bien, on l'entend beaucoup dans le blues et dans la musique country et dans le jazz. Donc dans le rock et le métal, on ne l'entend pas souvent. Et ça explique pourquoi vous, les rockers et les métalleux, eh bien, vous ne la connaissez peut-être pas. Donc c'est une gamme qui est utile et surtout, elle est très facile à trouver puisqu'elle va démarrer à partir de la position de la station numéro 2 de votre gamme mineure pentatonique. Donc vous allez reconnaître immédiatement les doigtés, ce sont les mêmes qu'une gamme mineure pentatonique, mais ils sont simplement décalés. Vous connaissez peut-être cette station de la gamme mineure pentatonique de La. Bien, en fait, on va la jouer à partir de la cinquième case et ça va donner un intervalle majeur. Alors, je vous avais promis sur une seule octave, ça va donner ceci. 5,
7 avec le doigt du milieu, 4, 7, index petit doigt, encore index petit doigt, 4, 7, et on y est. 5, 7, 4, 7, 4, 7. Très facile à retenir. Elle va fonctionner donc sur un La majeur. La gamme blues, c'est une de mes gammes préférées parce qu'on peut la jouer aussi bien sur du majeur que sur du mineur. Cette gamme-là va être une gamme hexatonique, c'est-à-dire qu'il va y avoir 6 notes. Cinq, six, et je reviens à l'octave, le sol, la première note. On va la jouer comme la gamme mineure pentatonique, mais on va rajouter une quinte bémol ici à la quatrième case. Donc ça va faire 3, 6 avec le petit doigt, 3, 4, 5, 3, 5. Cette gamme va fonctionner aussi bien sur les accords majeurs que sur les accords mineurs. La gamme mineure naturelle, je vous invite vraiment à la connaître, puisque c'est une gamme qui est très utilisée et elle est très familière à notre oreille, puisqu'on l'entend beaucoup dans la musique classique. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les métalleux, les virtuoses de heavy metal l'ont adoptée, puisque en jouant de longs phrasés rapides, on obtient des sonorités très dramatiques et très intenses. Elle va démarrer à la septième case avec le doigt numéro 1, corde de La. Donc on est sur la cinquième corde, la corde de La à la septième case. Et cette note, c'est un Mi. À partir de là, on va avoir la même chose sur la corde de Ré, c'est-à-dire trois notes avec index, annulaire, petit doigt. Corde de Sol, la troisième corde, on va avoir simplement 7, 9. Sur un Mi mineur, ça va donner ceci. On va le jouer comme ça, le Mi mineur. La gamme mineure harmonique, c'est une gamme qui est absolument magnifique. Vous allez peut-être y avoir moins recours en improvisation ou en composition, mais vous allez voir, vous allez reconnaître des sonorités. Pour certains, c'est des sonorités hispanisantes, entre guillemets, puisque ça rappelle un petit peu le flamenco. Pour d'autres, ça va être la musique classique. Et puis, dans le métal et dans le néoclassique, eh bien, elle est très utilisée également. On va la prendre à partir d'un La à la cinquième case. Les doigts T, vous allez prendre index, annulaire et auriculaire, le petit doigt, sur deux cordes. Là, je vous invite à utiliser le doigt du milieu sur la corde de Ré, la sixième case, et l'octave à la septième. La gamme bebop, c'est une de mes préférées dans cette liste puisque c'est véritablement la gamme qui m'a ouvert les portes du jazz. Ce que j'aime beaucoup avec cette gamme, c'est qu'on a la douceur du mode mixolydien avec un petit côté chromatique. Pour faire simple, c'est une gamme mixolydienne avec une septième majeure qui va être rajoutée. Case numéro 7, vous allez commencer avec le doigt du milieu, 7, 9 avec le petit doigt, 6, 7, 9, corde de Ré, vous allez jouer 6, 7, 8, 9, donc c'est cette note à la huitième case
qui est ce petit chromatisme ajouté qui fait qu'on l'appelle la gamme bebop. On va la jouer sur un 6/7e. Et on va ajouter un petit effet de swing, c'est-à-dire qu'on va jouer une note plus longue qu'une autre. La gamme chromatique, cette gamme-là, évidemment, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser énormément en improvisation. C'est plutôt une gamme qui va lier deux parties, une gamme qui va permettre de rajouter des décorations dans une improvisation. Vous l'entendez beaucoup dans le jazz manouche, par exemple. En ce qui nous concerne dans cette vidéo, comme c'est une forme horizontale, eh bien, ça va nous permettre de travailler les démanchés et les déplacements de main sur le manche. Donc, ça va être un petit peu plus un exercice. On va démarrer à la première case sur la 6e corde, la corde de mi grave. Et on va avoir deux démanchés. 1, 2, 3, 4. On démanche 5, 6, 7, 8. On démanche 9, 10, 11, 12. Cette fois-ci, on n'aura pas l'octave puisqu'il se trouve à la 13e case. Essayez de laisser durer les notes le plus longtemps possible pour qu'on n'entende pas de pause entre les démanchés. Ne faites pas. Faites plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Commencez déjà par apprendre une seule gamme si vous n'en connaissiez aucune. Et puis, une fois que vous vous sentez à l'aise, eh bien vous revenez sur cette vidéo, vous la mettez dans vos favoris. Puis vous en apprenez une seconde, vous ouvrez la description de cette vidéo, je vous les ai classés, donc vous pouvez trouver directement la gamme qui vous intéresse. La gamme diminuée, de par son nom, elle peut peut-être intimider certains d'entre nous, rassurez-vous, quand on y réfléchit, c'est assez simple. On va avoir un intervalle d'un ton, d'un demi-ton, d'un ton, d'un demi-ton, d'un ton, etc. Il existe différentes formes et différents types de gammes diminuées. Celle qu'on va choisir, c'est celle avec l'intervalle 1 ton, 1 demi-ton. On va démarrer sur la troisième case de la grosse corde, la corde demi-grave, et on va faire un intervalle d'un ton et ensuite d'un demi-ton avec le petit doigt. 3, 5, 6. Ça va être l'inverse, sur la corde suivante, ça va faire 3, 4, 6 avec le doigt du milieu. Ensuite, sur la corde de Ré, vous allez démancher légèrement. 2, 4, 5. Donc, on a index, annulaire, petit doigt sur la corde de Mi grave et sur la corde de Ré. Et sur la corde de La, celle au milieu, on a index, majeur, petit doigt. Vous allez sélectionner dans cette vidéo au moins trois gammes que vous ne connaissez pas et que vous allez travailler, peut-être travailler pendant l'été. Vous allez améliorer votre dextérité, alors ne vous laissez pas impressionner par certaines gammes. Si j'ai dit que c'est pour niveau avancé, bon, il n'y a que 7 ou 8 notes maximum. Donc même un débutant peut les mémoriser. En ouvrant la description de cette vidéo, eh bien vous allez pouvoir accéder aux tablatures téléchargeables au format PDF et au format Guitar Pro. Merci beaucoup de votre support, j'en ai beaucoup besoin pour faire tourner cette chaîne et mettre en ligne régulièrement des contenus qui vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Roue Guitare et en attendant mon prochain tuto, eh bien je vous invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne car il y a plein de vidéos que vous n'avez pas vues, des vidéos qui vont vous aider à débloquer votre jeu de guitare. À très bientôt, bye bye.